petit verset que je voudrais traiter avec vous. Il y a marqué comme ça. Alors, Vayagor Sham, il y a marqué comme ça. Alors, Vayered Mitzrayim, on est descendu en Égypte. Donc, après cette histoire-là, on est descendu en Égypte. D'accord ? Vayagor Sham, on s'est installé là-bas, on habitait là-bas. Bimte Me'at, en petit nombre. Alors, si on fait attention à ce verset-là, le verset n'est pas dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire ? Vayered Mitzrayim, on est descendu en Égypte. Bimte Me'at, en petit nombre. Vayagor Sham, et on s'est installé. C'est ça qu'on aurait dû dire. On est descendu en Égypte, en petit nombre, et on s'est installé. Puisqu'on était 70 âmes. Il y avait 70 juifs à l'époque avec Yaakov. Donc on est descendu en Égypte, en petit nombre, et on s'est installé. Et après on a grandi, on s'est installé. Mais là, il n'y a pas marqué comme ça. Il y a marqué le contraire. On est descendu en Égypte, d'accord ? On s'est installé, en petit nombre. C'est pas très logique ça. Nous dit les Rachamim, pourquoi la Torah, elle a dit comme elle a dit ? Parce que si on avait dit, on est descendu en Égypte, d'accord ? En petit nombre, et on s'est installé, on aurait dit, ça y est, on s'installe de manière définitive. Là où on est, ça y est, on est descendu en petit nombre, et on s'installe, et on grandit, et on reste, et on ne bouge plus, et on est fixé. La Torah n'a pas voulu dire comme ça. Non, non, non. C'est pas comme ça, vous ne resterez pas en galoute. Vous allez descendre là-bas en galoute. D'accord ? Vous allez vous installer. Mais toujours en petit nombre, c'est toujours petit. C'est pas pour rester pas fixe là-bas. C'est pas pour vous, maintenant, vous développer là, ça y est, c'est à nous. C'est à nous, demain, ils vont te renvoyer, papa. Tu comprends ? Il y a un moment, un Akadosh Baruch Hu, il a ses chemins. Tu reviens à la finalité, tu reviens au point de départ. Tu comprends ? Donc c'est pour ça que ça a été mis dans cet ordre-là. On est descendu, on va descendre en Égypte, on descend en Galoute. Mais c'est pas pour s'y installer, c'est pas pour rester de manière définitive. C'est pour ça qu'il est marqué, on s'installe, mais en petit nombre, ça veut dire on est toujours Tanoua, toujours à un moment, il faudra, on est en petit nombre, toujours il faudra partir. C'est pour ça qu'on a dit de cette manière, la Torah a parlé de cette manière-là. Donc combien l'importance d'investir ? Là où on se trouve, là en Israël, on est resté à Kodesh. C'est là qu'on construit, c'est là qu'on bâtit, c'est là qu'on fait nos familles, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on fait tout. Même si après on n'est plus là, même si c'est pas, on ne sait pas. Mais au moins ça reste ici, pour la finalité. Ça va être pour nos enfants, ça va être pour la finalité, ma chère va venir. Ça restera là, tous les bâtiments, tout ce qui a été fait ici, ça va rester. Là-bas on ne sait pas. Voilà, ils ont fait les synagogues, on a vendu ça, c'est devenu des mosquées, c'est devenu une église, c'est devenu un musée, c'est devenu un je ne sais pas quoi, c'est devenu un dancing. Voilà, et alors ? Nos synagogues, pourquoi ? Parce que c'est pas là-bas. C'est pas là-bas que ça se passe. Ça se passe ailleurs. Akadosh Baruch Hu, il a ses projets. Ses projets, c'est Eretz HaKodesh. Tu comprends ? Ça reste pas là-bas. Donc là-bas, on restera toujours petit. D'ailleurs, même si on fait l'analyse de l'Égypte, même si on est sorti en grand nombre, on est sorti 600 000, n'oubliez pas, il y a 4/5 qui sont morts. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire là, pour... 20%, on est sorti 20%, 80%, ils sont morts en Égypte. Pourquoi ? Ils n'ont pas voulu la délivrance. Tout le monde était Ovdé à Vodazara, tout le monde était idolâtre, tout le monde était Balagan, tout le monde était Averot, tout le monde. C'est la bonté de Dieu qui nous a fait sortir. Mais pourquoi ceux-là, ils ne veulent plus les tuer ? 80%, ils sont morts. On ne veut pas la délivrance. Ah, vous voulez vous installer du midi, du fini. Ah, vous voulez là-bas que là-bas ? Alors vous ne sortirez pas. Et c'est ça là, la raison de leur mort. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des gens qui faisaient des péchés. La preuve, c'est que ceux qui sont sortis, ils faisaient toujours des péchés, hein. Ils ont fait la Vodazara, ils ont fait le Vaudor, tu vois bien qu'ils ont fait des péchés. Alors pourquoi ceux-là, tu les as tués? Parce qu'il y a une seule chose qui fait que ceux-là, je ne vais pas les prendre. Vous voulez sortir? Ah non, ça y est, nous, on est là, on ne bouge plus, nous, ça y est, c'est notre endroit, là. Il n'y a pas d'autre endroit, hein, que l'Égypte, hein. Ah, alors, ok, alors vous allez rester, mais là, complètement sous la terre. Tu comprends? C'est ça l'idée. Donc là, même chose. On peut faire des choses là-bas, on peut faire tout. Mais à un moment ou à un autre, il faut prendre les bagages, il faut rentrer. Il y a des moments où il faut rentrer, gamin. Tu comprends ? C'est pour ça qu'il faut savoir, ça, et ne pas perdre cette idée, cette conscience-là. Il ne faut pas perdre cette conscience-là. D'un moment ou à un autre, on a fait ce qu'on a pu, pour au mieux, mais à un moment, il faudra rentrer à la maison. Tu comprends ? C'est un peu la même idée, donc c'est pour ça que c'est marqué dans cet ordre-là.
Aussi, j'ai vu aussi une autre idée. Si on fait attention, il y a marqué aussi là-bas dans la Torah. Hein. Regardez. Vayevienu el hamakom hazé. Il nous a emmenés dans cet endroit. Écoutez bien. Même là, il n'y a pas d'ordre. C'est bizarre. Même là, il y a un ordre bizarre. Vayevienu el hamakom hazé. Il nous a emmenés dans cet endroit. Vayeten lanu et haaretz hazot. Il nous a donné la terre. Il nous a emmenés dans cet endroit. Il nous a donné la terre. C'est quel endroit on parle? Si c'est Israël, pourquoi il y a marqué « Il nous a donné la terre » Bravo. Donc il nous a donné. Il nous a emmenés dans cet endroit, à Jérusalem, au Beth Amikdash. Il nous a donné la terre. Mais attends, il y a une super question. Pour entrer à Jérusalem, il faut d'abord avoir la terre, et après je vais à Jérusalem. Je ne peux pas aller à Jérusalem si je n'ai pas la terre. Qu'est-ce qu'on fait de ce passage? Il n'est pas dans l'ordre. Véhavienu, je relis. Véhavienu, elle a makom azé. C'est quoi le makom? C'est le Beth Amikdash. Donc il nous a emmenés au Beth Amikdash, okay, et il nous a donné la terre. On aurait dû dire, il nous a d'abord donné la terre, et après il nous emmène dans cet endroit-là qui est le Beth Amikdash. C'est ça l'ordre du verset, l'ordre normal. Alors, il y a un Rabbi Yonatan et un Tirgum, Rabbi Yonatan ben Uziel. Rabbi Yonatan ben Uziel, c'est un grand haram, c'est un des élèves de Hillel Azaken. Comme ça, la Gemara nous ramène là-bas à Maasé. Bon, vous connaissez, avec, il y avait le feu qui brûlait autour de lui, et même les oiseaux qui passaient au-dessus de sa tête. Alors on dit que c'était un des plus grands, c'était le plus grand haram de Hillel Azaken. Il y avait là-bas, on dit qu'Hillel Azaken, il avait 80 élèves. 80 élèves, 30 étaient comme Moshe Rabbeinu, 30 étaient comme Yeshua Bin Nun, et les 20 derniers étaient, le plus petit était Rabbi Yohanan Ben Zakkai. C'était le plus petit de ses élèves, il connaissait 70 langues, il connaissait, parlait avec les astres, il connaissait les distances, il connaissait les langues des anges, il connaissait les langues des magiques, c'était lui le plus petit. Alors imaginez le plus grand, c'était Yohanan Ben Uziel. C'est lui le plus grand. Comme Moshe Rabbeinu. Alors lui, il a fait le Tirgum, il a traduit toute la Torah Kula. Pas seulement la Torah, tout le Tanakh. Il a traduit. La terre s'est mise à trembler, parce qu'il a dévoilé des secrets, beaucoup de secrets, il a dévoilé. La Bible, toute la Bible. D'accord? Donc il a dévoilé beaucoup de secrets, des choses, parce que le Tirgum, c'est comme tu dirais, maintenant on traduit tout en français. C'est un dévoilement des versets, parce que des versets qui sont beaucoup très secrets sur l'arrivée du Mashiach, le dévoilement de Dieu, quelqu'un de beaucoup n'a pas voulu dévoiler ça. Et il l'a dévoilé. Alors il a dit, Rabbi Yonatan Ben Uziel, il a dit, j'ai pas fait ça pour moi, j'ai fait ça pour toi. Je comprends, j'ai fait ça pour l'âme Israël, j'ai fait ça pour toi, tout ça c'est pour ton honneur, et pas pour moi.